Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà tournée mais qui s'est perdue dans les tuyaux. Alors je la retourne, c'est la vidéo swap avec Birria. Donc voilà, elle m'a envoyé ceci. Elle m'a proposé un swap en fait. Elle m'a contacté via ma page Facebook en message privé pour me proposer ce concept que je ne connaissais pas dans notre communauté mais que j'avais vu chez les youtubeuses beauté, etc. etc. Et du coup, j'ai trouvé ça assez sympathique de se faire un petit échange entre youtubeuses, entre personnes avant tout, en fait, entre personnes. Et c'était pour Noël à la base, mais j'ai reçu son colis en temps et en heure. Et le mien, je l'ai posté le 19 décembre et je vous mettrai là dans le petit le lien vers sa vidéo. Et moi, la pauvre, elle l'a reçu hier, je crois. Voilà, pourtant, je l'ai envoyé le 19, mais la poste. Bouger avec la pose. Vous connaissez le sketch de Danny Boone, c'est un peu ça. Voilà. Je l'ai déjà tourné, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître ce qu'il y a dedans, mais j'ai tout remis dedans. Et donc je vais. Elle m'a fait un petit sommaire, très bien fait d'ailleurs. J'ai vu. Tu m'as envoyé ta vidéo, Birria, pour que je puisse la regarder. Tu écris très bien. Tu écris très très bien. En plus c'est coloré. Et moi j'ai pas mis de couleur, mais c'est très coloré. Donc. Par contre, juste j'adore les pochons. Il me fait penser aux pochons qu'on trouve dans l'oracle de Gaïa ou des Métamorphes aussi. Mais Métamorphes, je crois qu'il est un petit peu plus clair. Mais j'aime bien, moi, les pochons comme ça, assez simples, sans trop de chichi. Donc, dans ce swap, tu trouveras une bougie rouge faite par moi-même. Alors, la bougie qui sent bon la pêche. Et je confirme. Je confirme, elle sent divinement la pêche, très très fort par contre. Hein. Elle sent très très forte. Je ne sais pas quelle huile essentielle t'as mis dedans, quelle marque. Mais alors, ça sent très fort, très fort la pêche. Hein. Y a pas de problème. Ça sent un peu le sirop pêche fruit exotique un petit peu, je trouve. Voilà, pêche mangue, c'est ça, pêche mangue. Et il sent, j'aime bien cette odeur. Donc ça ira dans ma salle de bain pour quand je prends mon bain. Ensuite. Ça me racelait que j'avais mis dans la vidéo en serpentine. Donc la bougie qui sent la pêche, elle a été faite par Birria et elle est censée apporter passion et vitalité. Donc le bracelet en serpentine, il pourra t'aider pendant tes méditations. La serpentine a la capacité de développer les dons médiumniques. C'est également une pierre qui protège des influences négatives. Allez voir les vidéos, encore une fois, je vous mettrai un petit i. Allez voir les vidéos Lito quoi. Alors, je crois qu'elle n'en a pas fait beaucoup encore, mais bon, voilà, hein, faut lui laisser le temps un petit peu. Mais les Lito quoi, j'aime beaucoup ce concept, vraiment. Ensuite, elle m'a offert quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, un Bouddha rieur. J'aime beaucoup en fait ces petits bouddhas comme ça. Je voulais m'en offrir un chez Cultura et puis bon, on veut plein de trucs mais on s'offre pas tout quand même. Ça c'est le côté enfant de la consommation, vous voyez. Eh bien on me l'a offert, du coup voilà, je suis contente de ne pas l'avoir acheté et du coup il aura une histoire particulière. Donc ce bouddha rieur, elle a choisi celui-ci car il représente une personne au grand cœur tout comme moi. D'après elle. Bah écoute, c'est très gentil, Biria, je suis très contente. Très très contente. C'est vraiment plus celui-ci que je voulais, qui rigole et j'aime bien. Un sac Mojo de protection. Alors, fait par Biria. Voilà. Dedans, on va l'ouvrir. Hein. Dedans, j'y trouve un œil de tigre. Alors, il est là. Un œil de tigre. Voilà. Une larme d'Apache, et j'adore sa vidéo, larme d'Apache, les tocos. Alors là, je pense qu'avec la lumière, vous ne verrez rien. Mais la larme d'Apache, en fait, c'est noir transparent. En transparence. Du coup, c'est très, très, très joli. Une améthyste, elle est là. Voilà. Un cristal de roche. Voilà. Elle y a ajouté un petit coffre. Il est très très très... Mais il s'ouvre en plus. Mais oui qu'il s'ouvre. Alors, je vous le montre. Voilà. Et il s'ouvre comme ceci. On peut y glisser, je sais pas,
Pas grand-chose, mais on peut y glisser quelque chose. Voilà. Un petit mot plié, replié. Et une fiole contenant une plume. Très poétique, j'aime beaucoup. Tu peux le garder sur toi, le mettre dans ta voiture ou chez toi. Donc un sac de Mojo de protection. Bah, je pense que celui-ci va aller dans ma vitrine hein, avec mes cartes. Voilà. Et ensuite, une organite. Voilà. Je ne connaissais pas du tout ça. Mais alors, du tout. D'ailleurs, je pense que c'est une forme, une sorte de résine. Il me semble reconnaître la forme, vous savez, des glaçons un petit peu en dôme ou les chocolats. Et je pense que c'est de la résine. Si tu passes par là, Biria, en barre d'infos, hein? En barre d'infos. En commentaire. Je suis perdue. Donc faites par elle également. C'est pour ça que je vous dis, je pense reconnaître la forme d'un bac à glaçons ou d'un truc pour chocolat ou. Voilà. Elle te protégera des mauvaises ondes Wi-Fi téléphone et transformera les énergies négatives en énergie positive. Écoute, Biria, je ne connais pas du tout les organites. Si tu pouvais en faire une vidéo, je pense que je ne suis peut-être pas la seule à ne pas connaître. Et du coup, si tu pouvais nous donner et un tuto et comment, pourquoi, voilà, si tu pouvais nous faire une vidéo explicative, ça serait vraiment super bien. Parce que ça peut intéresser, en fait. Et puis en plus, c'est assez joli. Il y a des coquillages, il y a dedans des petites billes métallisées et une pierre et on dirait un fil de fer, je ne sais pas trop. Mais si, vraiment, si tu pouvais donner la marche à suivre, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et puis, il y a encore un petit truc. C'est la pub pour Biria. La pub pour son cabinet, avec son numéro de téléphone à coller sur le frigo, c'est bien fait, c'est aimanté, hein. C'est bien fait. Voilà, bah écoute, je suis très contente. Le Bouddha rieur, franchement, bah écoute, voilà, t'as tapé dans le mille. Le sac avec la larme d'Apache, tu sais que depuis que j'ai vu ta vidéo Litokwa sur la larme d'Apache, j'avais très envie de m'en offrir une. Je ne la trouve nulle part. Donc voilà, merci. Et puis le bracelet, j'adore. De toute façon, les bijoux en pierre, vous avez pu voir, hein, et si vous n'avez pas vu, je vous mettrai en photo là, quelques-unes de mes créations. Et du coup, vous avez pu voir que j'aime les pierres, et donc forcément que ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà, t'as tapé dans le mille, j'ai envie de te dire. J'espère que bah, j'ai vu la vidéo, donc je pense que le colis t'a plu. Mais t'as vraiment tapé dans le mille, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Pour le petit mot qu'elle m'a laissé, je vais le garder pour moi. Hein. Et puis je vous conseille d'aller voir sa chaîne. De toute façon, le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Et puis je pense que dans les petits, si vous êtes intéressés, voilà, allez voir. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Elle fait des lives. Hier, je suis tombée sur un de ses lives médiumniques, voyance un petit peu. Et j'ai posé une question et elle est tombée dans le mille. Donc, et j'aime bien ton jeu. Je ne l'ai pas reconnu. Mais en même temps, même si je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas encore utilisé, du coup, ça ne va pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé tes cartes. Voilà. Et merci pour tes réponses. Merci. Je t'embrasse très fort, Biria. Et puis, je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!